Nous vous montrerons les faits saillants après chacun des engagements. Et hier soir à Los Angeles, c'est un but marqué en prolongation à 4 minutes 42 par Joe Murphy des Oilers d'Edmonton qui a mis fin au match et à la série Edmonton-Los Angeles. Les Oilers qui éliminent les Kings en 4 matchs consécutifs. Et ce soir, nous suivrons de façon particulière le 4e match de la série Rangers de New York Capitals de Washington. And join with Mr. André Ouellet, accompanied at the organ by Miss Diane Bibel, for the singing of the national anthems. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad flash and bright stars through the perilous night on the ramparts we watched, where so fair on peace gleamed, and the rocket's red flame that on burning king had Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, Gilles Tremblay. Bonsoir, Richard. L'arbitre du match est Dan Marwelli, les juges de ligne Sweet Knox et Randy Mitten. Et les gardiens, eh bien... Eh bien, 10e match pour Andy Moog. 2,09, Richard, de tous les gardiens en présence dans les séries. Il domine. 7 victoires, 2 défaites. 18 but donné à l'adversaire sur 213 lancés. Patrick Roy, 2,65, un 10e match également. 4 victoires, 5 défaites. Patrick a donné 23 buts, lui, sur 232 tirs. Et en début de match chez les Canadiens, les défenseurs sont Peter Svoboda et Jean-Jacques Daigneault. Au centre, c'est Bobby Smith. À droite, Claude Lemieux. Et à gauche, Mark Peterson. Contre le trio de Christian, Poulin et Burridge. Les arrières chez les Bulls, Raymond Bourque et Glenn Wesley. Daigneault, une passe qui a touché Poulin. Un tir du revers dans le coin droit. Là, c'est Roy par la bande. Intercepté par Christian. Il a voulu remettre. Et voilà, c'est Christian qui reprend. Une passe interceptée. Un bon jeu de Peterson. Il y a Raymond Bourque qui s'amenait à toute vitesse sur le coin droit. Voilà, Svoboda maintenant qui réussit à se dégager de Burridge. Par la bande.
Bobby Smith qui a failli venir en collision avec Mark Peterson. Dégagement annulé par Daigneau et une passe interceptée par Poulin qui a remis à Christian, poursuivi par Lemieux. Christian qui n'a pu continuer sa course, il a été contré par Mark Peterson. Là c'est Daigneau, une passe qui a touché un patin, la rondelle qui dévie jusqu'à Don Sweeney, la passe ratée par Neely. Et là c'est Svoboda qui a reprené le disque, repris par Garley. Garley à Neely, voilà son tir, bloqué par Roy, pas de retour. Le lancer quand même assez bas, Roy l'attendait, Richard le captait avec le gant, voyant qu'on entrait pour un retour. Donc Patrick qui a rarement connu cette saison, deux mauvais matchs. Contre performance, il est toujours revenu très fort, fort mentalement. Il s'attend une très bonne performance. Il se doit de le faire. Et c'est Ryan Walter, Gilles, qui est là avec Guy Carbonneau et Mike Keane contre le gros trio des Blues, celui de Craig Janney, Cam Neely et Brian Croft. Carbonneau, la passe à Keane devant Don Sweeney qui le contre. C'est repris par Carbonneau. Voilà son tir, bloqué par Moore. Premier tir au but par les Canadiens. Un également par les Blues de Boston jusqu'à maintenant. Là c'est Ludwig. Ludwig la passe à Walter. Walter un tir qui est bloqué par Moog. Le tir était hors cible toutefois. 18 minutes 25 à faire en première période. C'est 0 à 0 les tirs au but. Un par Boston, un par les Canadiens. En plus d'avoir à remplacer McPhee et Richer par Peterson et Lebeau, Dufresne, il est absent ce soir et c'est Jean-Jacques Daigneau qui a retrouvé sa place à la ligne 2, Richard. Milbury n'a apporté qu'un seul changement. Greg Hogwood, qu'on peut utiliser aussi bien en défensive comme joueur d'avant, remplace John Valls. Pour les Canadiens maintenant, Corson, Courtnall et Stéphane Lebeau. Les défenseurs Chelios et Ludwig. Lebeau, Gilles, c'est son premier match depuis le début des séries. Il a joué son dernier match le 1er avril. Son dernier match à Hartford sur la ville. Et c'est Poulin, Christian et Burridge qui sont revenus pour les Bruins. Là c'est Corson, Christian maintenant qui a fait dévier jusqu'à Bourque. Bourque surveillé de très près par Corson. Voilà une passe qui a effleuré un bâton pour être finalement complétée par Randy Burridge. Burridge à Poulin, le tir bloqué par Roy. Un tir qui a été décoché très rapidement. Maintenant Corson, arrêté par Wesley, fait dévier jusqu'à Lebeau. Courtnall qui a réussi pendant un court instant à se démarquer. Il a été rejoint par la suite par Dave Christian. Ludwig jusqu'à Lebeau. Sa passe reçue par Poulin qui a remis derrière à Don Sweeney. Don Sweeney qui repousse les Canadiens derrière leur filet. Et c'est un dégagement refusé aux Bruins. Sweeney, Gilles, qui n'avait pas franchi la ligne rouge. Il y avait Stéphane Lebeau, Richard, si l'on regarde sa fiche cette année, avec l'utilisation qu'on en a fait en 57 matchs, 15 buts, 20 mentions d'assistance, 35 points, 5 de ces 15 buts quand même réussis avec avantage numérique. Ça peut aider la cause de l'équipe. Il est là. Ce n'est pas facile pour lui, comme il le mentionnait, Richard. Ce n'est pas pour le sauveteur. Éloigné de la compétition depuis près d'un mois, ce n'est pas facile. Ce n'est surtout pas la cause de l'équipe ce soir, c'est l'absence de Stéphane Richer. Mark McPhee, on s'en rendait compte depuis quelques matchs qu'il avait beaucoup de difficultés. On a raison. Une journée, on l'avait reposé à Hartford. Il m'avait dit qu'il avait une élongation musculaire. Les Canadiens maintenant, c'est Ewan avec Gilchrist et Strudlin contre Carter, Sweeney et Carpenter. Encore pas beaucoup de Carpenter, mais il a joué de très très bons matchs contre les Canadiens. Un joueur extrêmement rapide, extrêmement utile aussi en défensif. C'est drôle de dire que Carpenter est utile en défensif quand c'est un bonhomme qui a déjà réussi plus de 50 buts dans la Ligue nationale. Après le corbeau. Il me semble que sur cette formation, on a des tâches spécifiques et chacun s'en tient à son travail. On a fait une juste évaluation de chaque élément et ça a bien fonctionné. On a fait le même avec John Carter, lui dit-on. Milbury l'a travaillé, lui, au Maine en passé. Descente de Carter, justement. Carter, une passe sans receveur du côté des Bruins. Là, c'est Desjardins. Desjardins à Schneider. Schneider qui a partiellement évité la mise en échec de Carter.
Et c'est Skoulun qui a perdu à Bobsvile. Bobsvile derrière à Carter. Carter qui reprend. Un joueur extrêmement rapide que ce Carter. Très, très mobile. Là, c'est Gilchrist. La sortie en compagnie de Skoulun. C'était un 3 contre 2, mais c'est allé s'arrêter dans le territoire des Bruins. Gary Galley. Galley qui fait très bien en série. La passe à Propp, un tir derrière le filet de Roy, qui remet à Walter. Walter un dégagement jusqu'à Raymond Bourque à la ligne des Bruins. 16 minutes 10 secondes à faire en première période. C'est 0 à 0. Les tirs au but, 3 par les Canadiens et 2 par les Bruins. Alors Walter maintenant, voilà son tir. Il a raté le filet. Il a visé le coin gauche. Un beau tir, mais qui manquait légèrement de précision. Carbonneau qui va claquer Bourque. La passe devant, c'est capté finalement par Walter. Walter, un tir bloqué en défense par Raymond Bourque et la rondelle qui avait dévié jusqu'à Prof qui l'a remise à Janet. Janet pour Neely. Voilà deux joueurs qui ont fait mal aux Canadiens. Si Galley n'a qu'un seul but à son crédit, Richard, il domine le classement pour les assistances depuis le début des séries. Et il a 12 mentions d'assistance. Pour son dernier doigt, Neely, et bien Neely lui a très bien répondu avec 6 buts en 10 matchs, 8 mentions d'assistance. Mise en échec les plus solides. Neely qui a 2 buts en supériorité numérique et 1 en infériorité numérique et 1 but gagnant. Et souvent, Gilles, on ne voit pas son nom au sommaire, mais il a quand même été c'est ce qu'il crée à l'origine, oui. Avec tout ce qu'il crée, comme tu dis, autour de lui, on l'a vu particulièrement dans cette mise en échec contre Svoboda qui avait donné un but à Boston. Il n'y avait même pas eu de passe là-dessus. Il n'avait pas touché à la rondelle, mais il avait touché à Svoboda. Et sur le but qui avait précédé, il avait sorti du frein du jeu totalement, tu te souviens, sur le but de Frapp. Là, c'est lui, Neely, Kaldzis, attendu par Ludwig, décide de tirer faiblement derrière le filet de Roy. On avait demandé des changements chez les Bruins de Boston. C'est Bobby Gould, en compagnie de Byers et de Hargood, contre Lemieux, Smith et Peterson. Les arrières chez les Canadiens, Ludwig et Chelios, et chez les Bruins, Galley et Don Sweeney. Là, Chelios en difficulté, se fait arracher le disque par Gould, et Byers qui a raté le retour, Gould qui reprend. La passe devant reçue par Byers. Byers qui décide de pousser sur sa gauche et Chelios qui intercepte. Chelios plaqué par Hargood qui lui fait faire une chute. Bobby Smith qui est venu à sa rescousse. Et c'est maintenant Ludwig à Peterson. En retrait à Ludwig. Dégagement qui a été annulé par Galley. Voilà un tir qui a dévié à la gauche de Patrick Roy. Chelios, un dégagement arrêté par Don Sweeney. Les Canadiens en difficulté depuis un bon moment dans leur territoire. Et les Bruins qui font des changements, et c'est la première chance pour les Canadiens de sortir de leur zone avec ce changement chez les Bruins. Et là, une rondelle qui tombe chez les spectateurs et c'est l'arrêt du jeu. Ils obtiennent autant de buts dans une saison sur des jeux brisés dans le territoire adverse, brisent l'adversaire très près du filet et réagissent bien que sur des jeux organisés en provenance d'un territoire neutre ou encore de leur propre zone, sur de belles pièces de jeu orchestrées d'un peu plus loin. Svoboda à Lebo, la passe était pour Carson, interceptée par Burridge, le relais à Christian pour Poulin, une rondelle se tient, ratée par ce dernier, c'est la contre-attaque de Stéphane Lebo. Lebo à Carson. Carson arrêté par Bourque, reprend le tir. Un beau jeu de Carson qui a tenté de faire des liens, mais là, Bourque, encore une fois, qui veillait. Un lancer bas qui semblait inoffensif au départ, mais dévié à la dernière fraction de seconde. Et on va voir la chute de Bourque, il peut faire l'arrêt quand même. Une entrée de zone. Orchestré par Stéphane Lebo, 10-10 pour son allié Carson, et surveillez le jeu qui va suivre. Je pense qu'il va être réussi, la rondelle déviée par Portnoy. C'était pas commode pour Bourque. Non, il était reculant. Il était déjà sorti à l'extérieur de son demi-cercle, a bougé par la suite et dans sa chute peut faire quand même l'arrêt. En faisant le grand écart. Oui. Portnoy a fait un beau jeu, Richard, pour éviter la mise en échec du défenseur et pouvoir réussir cette phase. Tire de Portnoy dès la mise en jeu, l'arrêt de Andy Bourque. Là, c'est Svoboda qui hérite du disque, le tir bloqué par Moog, et cette fois-ci, il a fait dévier chez les spectateurs, donc c'est l'arrêt du jeu. Et là, c'est Carson et Wesley qui ont commencé à se bousculer. Portnoy qui intervient devant
Raymond Bourque et ça n'ira pas plus loin. Intervention encore une fois très rapide des juges de ligne Sweet Knox et Randy Mitten et de l'arbitre Dan Marouelli. Il n'y avait pas eu de pénalité jusqu'à maintenant. Paulson et Courtnord devront venir en aide à Stéphane Lebeau. Et si ces deux joueurs utilisent la vitesse à l'entrée de zone, ils pourraient profiter de bons jeux préparés par Lebeau. Il n'est pas fatigué, lui. Il est prêt, même s'il y a beaucoup de tension sur lui, son premier match en série, Richard. Il est moulé pour le jeu ce soir et il a besoin de l'aide de ses deux coéquipiers. Mais attention, Courtnord peut le faire avec sa grande vitesse en territoire. Lebeau, qui n'est pas très lourd, n'est pas fait affronter toujours l'adversaire le long des rampes, mais s'il entre en plein centre, il peut très bien alimenter les deux ailiers qui vont l'accompagner. Lebeau, là c'est Courtnord qui va plaquer le costume. Et c'est Raymond Bourque en compagnie de Vandenberg. Un 2 contre 2. Et hors jeu commis par les Bruins. Donc on reviendra en zone neutre avec maintenant 13 minutes 26 à faire en première période. Les tirs au but, 6 par les Canadiens et 2 par les Bruins. Ce n'est pas un mauvais début de match pour les Canadiens. Non. Il est toujours à surveiller, Richard. Tout joueur qui peut amorcer une attaque aussi solide de l'arrière peut battre le premier venu. Et travailler sur un jeu individuel. Lorsque l'occasion s'y prête, eh bien, toujours dangereux. Je viens des grosses années de Barbéa. Il fallait toujours le surveiller, qu'on ne l'a pas laissé démarrer. On le fait en saison régulière contre Book. Il est un peu plus conservateur en séries éliminatoires, mais attention, lorsque l'ouverture est là, il a la force d'accélération. Le lancer peut vous battre une quarantaine de pieds comme il peut se rendre au filet. La bousculade entre Lemieux et John Carter. Lemieux qui joue sur un deuxième trio, cette fois-ci en compagnie de Scroden et Gilchrist, donc il remplace Ewan sur ce trio. Il va avoir du temps de glace, il le dit souvent, et bien son entraîneur qui le satisfait en ce moment. C'est la soirée. Et on va voir ce que ça donnera. Oui, ça pourrait être une soirée Lemieux. Voilà Carter maintenant, son tir bloqué par Roy qui fait dévier sur sa gauche. Carter en compagnie de Bob Sweeney et de Bob Carpenter. Scroden à Lemieux, un bon jeu. Lemieux qui veut déjouer Wesley, qui l'entraîne derrière le filet, la passe devant, qui a été bloquée par la chute du défenseur Bob Beers. Et une rondelle qui tombe dans la foule, donc c'est l'arrêt du jeu avec 12 minutes 56 à faire en première période. Et c'est 0 à 0. Lemieux aurait pu prendre un bon lancer ici. Les droitiers entrés du côté gauche, avec le défenseur qui lui faisait face, pouvaient servir des jambières de celui-ci pour un lancer voilé. Opter pour contourner le défenseur, mais du même coup, il était beaucoup trop loin pour le faire. D'accord? Son seul jeu par la suite qui aurait pu réussir, c'est une passe dans l'enclave, une passe du revers, mais souvent faite à la rejette parce qu'il a été mis en échec par le défenseur. Scroden, comme tous les joueurs du Canadien, la plupart, à l'exception peut-être de Brian Hayward et de Courtnord, probablement connu Scroden son pire match. Le tir de Desjardins de la mise en jeu, bloqué par Moog. Là c'est Bart, il est mis en échec solidement par Lemieux qui lui a appliqué au moins deux coups de coude par la suite sous les yeux de Dan Marouelli, mais le dernier qui n'a pas sévi. Lemieux, là, Gilles, on le voit, veut jouer de façon forte agressive. Il faudrait qu'il soit prudent, va attraper et copier de pénalité. Voilà qui est fait, je crois. Non, c'est Scroden, Gilles. Ce n'est pas Lemieux. Donc la première pénalité aux Canadiens et première supériorité numérique donc aux Bruins de Boston. La soirée du hockey Molson vous présente les séries de la Coupe Stanley à Radio-Canada. Scroden pour avoir donné du coup. Monsieur Scroden, c'est beaucoup de pénalités pour vous en série. C'est sa 14e mineure, depuis le début des présentations. À son 10e match. Ça peut se pardonner en fin de 3e période. Il n'est pas le plus rapide avec la fatigue. Mais en début de rencontre, sa 2e présence sur la glace, non. Là, c'est la mise en jeu gagnée par Carbonneau et un dégagement de Chelios jusqu'à la ligne de les Bruins. Pour les Bruins, en avantage numérique, il y a Bourque, Wesley, Janney, Neely et Brian Croft. Pour les Canadiens, Keane, Carbonneau, Ludwig et Chelios. Wesley plaqué par Carbonneau qui a été atteint au visage par la suite et Wesley qui sera pénalisé très certainement. C'est un 2 minutes ou un 5 minutes. Attendons voir. C'est un 2 minutes. Donc ça annule la pénalité à Brian Scroden à laquelle il restait 1 minute 37. Il n'y avait que 23 secondes d'écoulé. Sans doute on devra se porter sur ce règlement. Richard, on a parlé avec Mario Tremblay lors du dernier match. On devra amender ce règlement. Il est très dangereux. En début de rencontre, sur son lancer ici, on voit Wesley n'avait pas vu Carbonneau venir du tout.
Son bâton était plus bas que la hauteur des opposants. Ce n'était pas un bâton élevé. Le bout de la palette, surveillez ici le jeu, le bâton de Wesley, bel et bien plus bas que la hauteur de ses épaules. Il touche Carbonneau au visage. Involontairement, on devrait faire quelque chose. Formation peut perdre un tir. Meilleurs éléments. Ben, hier soir, ça s'est produit à Saint-Louis, Brett Hull, oui, qui a été chassé pour bâton élevé. Alors, Carbonneau est touché à la bouche, comme on peut le voir. Il est venu, lui, par derrière, Wesley en aucun sens de l'air. Alors, on va jouer à 4 contre 4 pour les Canadiens Carson, Fortnoll, Benio et Svoboda pour les Bruins. Bourque avec Don Sweeney, Poulin et Ryan Croft. Les deux anciens joueurs des Flyers là, qui sont ensemble. Fortnoll, plus la rondelle jusqu'à Svoboda. Svoboda précédé par Carson, doit attendre sa sortie, on prend, voilà la passe. Derrière à Degno. À Svoboda, poursuivi par Croft. Le relais intercepté par Poulin, la passe devant le tir, hein, pour l'arrêt de Roy. Le jeu de Svoboda est bien anticipé par l'adversaire. Très mauvais jeu. Fortnoll maintenant en plein centre. La passe derrière à Carson, mais hors jeu. Encore une fois, Canadien qui ne sort pas de son territoire avec autorité. Il ne fait absolument rien à l'entrée de zone adverse. Et là, il y a eu un geste de Bourque à l'endroit de Fortnoll. Après le sifflet, Fortnoll a tiré sur le gardien Hangemon de façon assez inoffensive. Et par la suite, Bourque a tenté d'atteindre Fortnoll avec la rondelle. Fortnoll, la grande vedette, si on peut en trouver une, chez les Canadiens lors du dernier match, il a vraiment été à la hauteur. Avec Brian Hayward, les deux meilleurs joueurs du Canadien. Mais si je te demandais de me nommer le troisième. Fortnoll, Hayward. Lorsque tu as cherché, je pense qu'il n'y en avait pas. J'en trouve effectivement pas. Il faudrait que je revise toute la liste. Non, c'est l'une des raisons pour laquelle, lorsqu'on trie l'équipe, connu mauvais match. Tu peux trouver un ou deux joueurs et par la suite. Oui, c'est vrai que ça s'est limité à ces deux joueurs. Fortnoll a joué un de ses meilleurs matchs ici. Et un beau retour d'Hayward. Chelios à Schneider. À Chelios. Les Bruins maintenant, c'est Carter et Carpenter. Alors Fortnoll à l'attaque avec sa vitesse, mais sa passe est interceptée par Don Sweeney. Descente de ce même Don Sweeney. La passe derrière à Carpenter. Son tir a effleuré un bâton. C'est Carson maintenant qui remet à Fortnoll. Voilà son tir au-dessus de la cible. Le retour à Carson. Oh, non, j'allais dire à Carson, mais c'est Bourque qui est arrivé avec toute vitesse. À toute vitesse pour reprendre le 10. Chelios, son tir bloqué par Moog. Don Sweeney maintenant. À la pénalité à Skoden, il reste 8 secondes. Oh, un tir qui a donné du mal à Roy. Il a perdu la rondelle de vue par la suite. Il l'a cherché, oui. Premier réflexe, regardez derrière lui, c'était pas dans le filet. Ben, le mieux qui a été accueilli par Garley, qui lui a fait faire une chute. Burridge, la passe à Bob Sweeney, qui a fait dévier jusque dans le territoire des Canadiens. C'est avantage numérique canadien maintenant, mais seulement pour 10 secondes. Le temps d'une attaque, à peine. Là, c'est Schneider. Une passe qui a été interceptée par Garley, qui revient à Schneider. La feinte. Et là, sa passe a été interceptée par Burridge, qui a remis à Wesley, qui sortait du banc des pénalités. De l'autre côté, il y a Bart Sweeney. Voilà son tir, bloqué par Roy, et pas de retour. On va jouer de Schneider en jeu d'adresse. 10 minutes 9 à faire en première période. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans quelques instants à Radio-Canada. Deux de Patrick Roy, ça semble un 2 contre 2, mais Daniel n'a pas le choix, doit demeurer dans le milieu, parce que Schneider n'est pas revenu à temps, Richard, pour couvrir totalement l'ailier qui est entré du côté gauche. Sortie de Carbonneau, la passe à Walter. Walter par la bande, il est plaqué par Keane, la rondelle va jusqu'à Carbonneau, voilà son tir. La rondelle a dévié sur Gary Garley, reprise par Keane, une passe à Walter. Walter pour Carbonneau, plaqué par Peterson qui lui fait faire une chute. La foule proteste, il n'y aura pas de pénalité. Là, c'est Walter maintenant, aux prises avec Janet. La passe pour Carbonneau, mais le disque qui a filé jusqu'au gardien Indemonde. Carbonneau est assez agressif, Gilles. Carbonneau a tout tenté, Richard. Un très beau plongeon. Et même si Moog avait la main sur la rondelle, eh bien, il a tout tenté
en essayant de harponner l'adversaire. On va surveiller Carbonneau dans le coin de la patinoire. Il n'a pas réussi un but, Richard, depuis le début des tournois de série. Surveille son travail ici. Le nombre de mises en échec contre lui. Le revenir par la suite avec la sortie du coin patinoire pour un plongeon devant le filet. Oui, c'est le grand Alan Peterson qui le mettait en échec sans beaucoup de succès parce que Carbonneau là-dessus s'est montré très très agressif hein, sur toute cette séquence qu'on vient de voir. Alors Carbonneau qui ce soir joue avec Walter et Mike Keane. Un trio qui a bien fait depuis le début de ce match. Les arrières, Svoboda et Ludwig. Et chez les Bruins, Neely est sur la patinoire en compagnie de Trump et de Dave Christian qui se charge de la mise en jeu devant Carbonneau. C'est gagné par Christian et c'est Bob Pierce qui a la rondelle. La passe à Neely. Neely. Une autre passe, mais pas de receveur chez les Bruins. C'est Svoboda, un tir qui longe la bande. C'est repris par Keane. Keane, arrêté par Neely. Voilà un dégagement des Bruins jusque dans le territoire des Canadiens. C'est 0 à 0. Les tirs au but, 8 par les Canadiens et 6 par les Bruins. Et à la période, il reste 9 minutes à faire. Si les Canadiens remportent la victoire ce soir, il y aura un cinquième match à Boston vendredi soir à 19h30 qui sera présenté à notre antenne. La Mike Keane rejoint par Wesley qui l'empêche de toucher au 10. C'est Carbonneau qui le reprend. S'approche de tir à but. Et bien, ça paye pour Carbonneau son agressivité. Parce que je disais que Carbonneau n'avait pas réussi un but depuis le début des présentes séries, mais son travail inlassable contre les meilleurs joueurs de l'adversaire, eh bien, c'est pour finir pour apporter des dividendes. Bon jeu de Mike Keane à l'entrée de zone. Il n'a jamais cessé de travailler le long de la rampe, Richard. Finalement, Carbonneau appuie l'offensive. Et dans un angle quand même assez fermé, une rondelle qui vient tisser entre les jambières d'Andy Maude. On a vu ça. Sa combativité poursuit son jeu. Frappe Maude en plus, Richard. Lorsqu'il lance, il allait pour son propre retour. S'il y avait eu retour, quoi moi. Son bateau était bien placé sur la glace également. Canadiens goal is first in the series. Scored by number 21, Guy Carbonneau. Dégagement refusé aux Canadiens. On reprendra la droite de Patrick Roy avec 8 minutes 30 à faire en première période. C'est un but qui a été marqué à 11 minutes 16. Ces deux alliés mentionnent l'assistance. Mike Keane qui a bien fait sur l'entrée de zone, attirant le défenseur. Richard, on a fermé sur Keane. Carbonneau les a surpris par derrière. Il lui prend son tir d'un angle quand même assez fermé. Ce qui l'a aidé, ce qu'il est droitier, entrée du côté gauche. Son angle de tir était amélioré, mais quand même, la rondelle qui vient glisser entre les deux jambières du gardien. Walter également de mention d'assistance. Pour Keane, c'est son premier point depuis le début des séries. Walter, c'est son deuxième. Et comme tu l'as dit, Carbonneau, son premier but, il avait 3 passes. Voilà Desjardins, la passe était pour Cortnall, mais ce dernier ne l'attendait pas. Là, c'est Carpenter aux prises avec Desjardins. Carpenter est claqué solidement par Desjardins. Par la suite, c'est Legault qui est allé mettre Carter en échec et qui l'a fait crouler. Carpenter à Bob Sweeney. Voilà son tir bloqué par Roy. 7 minutes 57 à faire en première période. Les Canadiens qui mènent 1 à 0. Le centre de Ross Cortnall. Cortnall, le tir bloqué par Maud, mais il y avait hors-jeu, donc on reviendra en territoire neutre. C'est quand même une bonne sortie de zone, on était prêts. 3 joueurs des Bruins étaient bien placés à la ligne bleue. Maintenant, allons retrouver Jean Pageau. Eh bien, à Washington, les Rangers de New York viennent de prendre les devants 1 à 0 dans ce match à 10 minutes 41. C'est Troy Mallette qui marque son deuxième but sur des passes de Bernie Nichols et Mike Gartner. 1-0 Rangers contre les Capitals de Washington. Eh bien, les tirs au but jusqu'à maintenant, est-ce que Gardeau, 9 par le Canadien, 7 par les Bruins. Tir de Schneider qui rate le filet. Retour d'Ant Sweeney, la passe à Burbage. Un tir à la gauche du filet des Canadiens. Christian, un autre tir bloqué par Roy. Et là, c'est Poulin. Un coup de Desjardins à l'endroit de Randy Burbage. Desjardins, un coup, un geste d'indiscipline. Il sera chassé. Proteste auprès de l'arbitre Marouali. Donc, ça donne une autre supériorité numérique aux Bruins de Boston.
Desjardins pénalisé à 12 minutes 25 secondes. Double échec. Deuxième pénalité à l'équipe. On va revoir l'infraction, Richard. Charge au bâton. Voilà, c'est pas ce geste, ce deuxième geste. Oui, Patrick Roy aussi, il y a eu deux interventions de Desjardins. Et là, ça donne une supériorité numérique aux Bruins avec cette attaque massive, redoutable. Bourque, Anilo, de l'autre côté, c'est pour Gianni. Il y a également Propp et Christian qui sont là. Les Canadiens ont Keane, Carbonneau, Patrick Echeverria sur l'autre pénalité. Très, très, très flagrant. Devant les yeux de l'arbitre qui était à quelques pieds seulement. Alors, c'est les Canadiens voudraient perdre le match, mais ne ferait pas mieux. À la hauteur de la tête, Richard. Il lui fait perdre son casque. Il frappe Brian Brock. Eh bien, j'ai deux pénalités stupides. Comme tu dis, deux pénalités stupides. Oui, et les Bruins qui ont 1 minute 35 de double avantage numérique. Surveille cette charge au bâton à la hauteur de la tête. Voilà le Ludwig, vous voyez l'arrivée de Brock par la suite. Tiens, voilà. Est-ce qu'il a perdu son casque volontairement? Alors les Bruins qui vont jouer à 5 contre 3. Chelios, Schneider et Carbonneau qui est resté sur la patinoire. Carbonneau qui a été, je dirais pas surtaxé jusqu'à maintenant, mais qui a été là plus souvent qu'à son tour. J'aimerais savoir ce que peut penser les joueurs de Carbonneau. Ils se morfont en travaillant des avantages numériques et qui voient les infractions de la sorte. Alors c'est Christian toujours avec Gianni, Neary, Wesley et Bourque, les Canadiens qui jouent à 3 contre 5. Il reste 7 minutes 10 à faire en première période. Et les Bruins qui profitent d'une double supériorité numérique. Avec Wesley, la passe à Bourque, le tir est raté. De l'autre côté à Wesley, à Bourque, à Gianni. Gardez la passe devant, c'était raté par Millet. Millet par la suite qui a été frappé solidement par Chelios. Chelios encore une fois. Ça pourrait être considéré, je dis ça aussi, comme des doubles chocs. Hein. Oui. Bourque, évidemment, on part du principe que... Voilà, Gardez le tir bloqué par moi. Chelios qui tente de balayer le 10 finalement. Puisqu'il avait raté, il décide de choisir une deuxième solution, c'est-à-dire de se jeter sur la rondelle. Et il reste encore 59 secondes à la pénalité à Desjardins, 1-24 à celle à Craig Ludwig. Ce qui se produit, c'est que les arbitres en laissent passer tellement. Donc, tout à coup, eh bien, on décide de se dire. Et une formation ou l'autre qui est pas. Chelios avait frappé à la sortie de zone, Neary par derrière. À deux reprises. Et lorsque celui-ci est rendu en zone neutre, a été frappé à nouveau par Chelios. J'ai les Canadiens. On l'a dit, depuis le début du match, jouait très bien. Et là, on se retrouve avec deux gestes d'indiscipline absolument stupides. Gianni, le tir, oh, l'arrêt de Roy. Où est-ce qu'il a touché le poteau également? L'arrêt de Roy. Voilà Bourque, la passe à Gianni. Il a touché le patin de Chelios. Là, c'est Carbonneau qui se précipite sur la rondelle. Et voilà son dégagement. 40 secondes à l'intention de Desjardins, encore. Les Canadiens qui mènent toujours 1-0, mais qui sont menacés là avec une infériorité numérique de deux hommes. Voilà Wesley, la passe à Gianni, l'autre, pour Gianni, virer, quel arrêt de Patrick Roy. Et c'est pas fini, voilà Bourque, la passe à Wesley, le tir, la rondelle qui a dévié sur un joueur des Canadiens. Schneider. Reprise par Bourque. Bourque qui a remis à Gianni, encore une fois à Bourque, de l'autre côté c'est à Wesley, à Bourque. La pénalité à Desjardins va se terminer dans 5 secondes. Voilà, Wesley, la passe à Christian, le tir bloqué par Roy. La rondelle qui a été frappée dans les airs et l'arbitre Mawerly qui a arrêté le jeu, semble-t-il que Roy aurait peut-être été ébranlé. Il reste 3 secondes, Gilles, à la pénalité à Desjardins. Et 28 secondes à celle de Craig Ludwig. Encore Carbonneau qui fait du bon travail. Il est là depuis le début. La rondelle aurait touché le poteau, Richard. Lorsque tu as parlé d'un arrêt de Roy, par la suite, la rondelle aurait touché le poteau. On va revoir ici le jeu. Le tir puissant. La rondelle, oui, glisse.
Et par la suite, eh bien, tout travail de Patrick Roy, d'un peu plus près, surveiller son travail ici. Le seul changement, Gilles, depuis le début de la pénalité à Desjardins chez les Blues, c'est Gary Gerley qui est venu remplacer Glenn Wesley. Tous les autres sont là depuis le début, c'est-à-dire Neely, Christian, Janney et Bourque. Et c'est Scrooden maintenant qui est allé rejoindre Chelios et Mathieu Schneider qui est venu, qui est resté là, lui. Voilà le dégagement, réussi jusqu'à l'autre bout. La pénalité à Desjardins est maintenant terminée. À celle à Craig Ludwig, il reste encore 18 secondes. Et bien, les Canadiens là qui s'en tirent fort bien. Descente de Bourque. La passe a touché Neely, la rondelle qui dévie jusqu'à Chelios. Neely qui a enlevé le disque à Chelios, remet derrière, c'est de Gerley à Janney, à Gerley de l'autre côté à Bourque. La pénalité à Ludwig se termine à l'instant, voilà un tir arrêté en défense. Et un dégagement de Schneider qui a touché Schneider, Schneider qui fait une chute. Et là on joue à forces égales et c'est Schneider là, qui continue à se bousculer avec Neely, Ludwig est là également. Il charge au bâton de Neely sur... Schneider également, il a fait chuter, ce qui a permis à Boston de conserver le disque. Et là, Chelios vient d'appliquer un coup de poing à Craig Janney. Derrière l'arbitre Marguerly, puisque Marguerly l'a vu. Oui, ça semble les choses là, qui semblent s'envenimer. On a, du côté des Blues, sa preuve de discipline jusqu'à maintenant. Neely qui a reçu deux doubles échecs consécutifs de la part de Chris Chelios, qui a décidé de ne pas répliquer. Sauf que tu as vu Gilles avant la mise en jeu, il est allé parler à Chelios. Mais il paraît qu'il a subi de pires sévices, si on peut dire le mot, dans la série contre les Whalers de Hartford. Eh bien, John Carter, Richard, se dirige au banc des pénalités, sans doute. Bien conduite, les deux minutes. Et ça, avant la mise en jeu. Avant la mise en jeu, oui. Alors, Gary Gerley demande des explications. On va revoir la séquence ici, le coup de poing de Chelios qui s'est placé lui derrière Marguerly lorsque ça s'est produit. Surveillez Janney et ça va se faire rapidement. Voilà, à droite. Marguerly qui retenait Schneider pendant ce temps-là faisait dos. Tout ce qui a attiré cette enfilade, c'est que Neely avait frappé par derrière Scoodland. Alors, ça a permis à ses coéquipiers de terminer le jeu et de demeurer en zone du Canadien. De là, l'enfilade. Et là, c'est avantage numérique canadien avec Lemieux, Smith, Peterson, Daigneault et Svoboda contre Propp, Poulin, Gerley et Don Sweeney. Les Canadiens qui mènent 1 à 0 avec 4 minutes 52 à faire en première période. Et à tout point de vue, Gilles, les Canadiens devraient être très motivés. Ils ont réussi le premier but du match, ils ont réussi à... résister à une double infériorité numérique. Là, c'est Peterson qui tente de jouer Gerley. Un tir très fort qui se rend jusqu'à Maud. La rondelle est reprise par Lemieux derrière à Daigneault. Et Daigneault à Svoboda. À Daigneault, voilà son tir. Hein. Et Maud qui a effleuré avec sa vitale. Le tir de Peterson, un tir du revers qui a raté la cible. Il s'en est fallu de peu là-dessus. Et Svoboda est là, le gardien Maud qui est resté étendu. Je ne sais pas s'il a été frappé. Moi, je n'ai pas vu le geste. La rondelle s'est déplacée dans le coin de la patinoire, Richard. Alors, est-ce qu'il a été touché par un bâton? Belle tentative de Schneider. Aussitôt reçu le disque à la ligne bleue, Richard, on avait peu de temps pour réagir. Bon temps de réaction. Son lancer a été pour la façade du filet. Et Bobby Smith qui a raté également une belle chance du revers après un jeu de Peterson. Peterson a vu Maud lui toucher le disque avec le bout de son gant. Et on va surveiller les dernières séquences. Bobby Smith est bien placé. Le rondelle qui est touché à la dernière fraction de seconde, c'est sur le tir de Schneider. Et voilà, c'est la mise en échec. Est-ce que le bâton, il l'a touché ou si c'est la chute sur la jambe par la suite? Je pense que c'est plutôt la chute, Gilles. Alors Peterson, il a raté de très peu avec son tir du revers. Alors Lemelin, lui, est toujours prêt derrière. Il n'a plus vu d'action, a participé à deux matchs, impliqué dans une décision, une défaite.
a été retiré dans le match à Archer, bien Richard. L'équipe tirait de l'arrière 5-1 ou 5-2. Finalement, c'est transformé avec une victoire en victoire pour les Blues avec la présence d'Andy Mauve. On va revoir encore une fois la séquence, à vous d'en juger, sur la chute de son coéquipier. Je pense qu'il est mal tombé. C'est là? Oui, c'est surtout probablement élongation musculaire. Parce qu'il n'a pas été touché par un joueur des Canadiens, très certainement. Alors, résumons tout ça, il reste 4 minutes 19 à faire au premier tiers-temps, 1 minute 15 à la pénalité à John Carter des Bruins. Les Canadiens mènent 1-0, ont réussi 11 tirs au but et les Bruins également 11. Donc, c'est avantage numérique canadien avec Smith, Lemieux, Peterson, Daigneault et Svoboda. Là, c'est Peterson derrière à Svoboda, à Peterson, de l'autre côté, c'est à Daigneault, la passe se rend jusqu'à Peterson, mais c'était une rondelle sautillante et c'est Glenn Wesley, dégagement réussi jusque dans le territoire des Canadiens. À la pénalité aux Bruins, maintenant 47 secondes. Canadiens 1, Boston 0. Là c'est Bobby Smith arrêté par Carpenter. Et les Bruins qui en profitent pour vider, pour dégager jusqu'à l'autre bout. Svoboda a le mieux. Lemieux arrêté par d'abord par Garley et ensuite le hors-jeu qui est commis. Lors de notre première pause, ce soir, le jeune défenseur des Bruins de Boston, Stéphane Quintal, sera notre invité. Pierre Bouchard nous présente son analyse du premier engagement et nous vous montrerons les faits saillants du premier tiers-temps. Il est lancé 11 par les Canadiens, 11 également par les Blues. 3 minutes 35 à la première. Changement apporté par Pat Burns. Maintenant, c'est le trio de Portnoy, Forsett et Lebeau qui est là. Les arrières, Chelios et Schneider pour les Bruins. Poulin en compagnie de Propp, Peterson et Gallet. Schneider, la passe pour Carson qui remet à Lebeau. Lebeau pour Carson. Carson frappé par Peterson, d'une seule main remet à Portnoy, derrière à Lebeau. Un tir, l'angle était complètement fermé, la rondelle qui a filé jusqu'à Chelios. La passe partie avec les patins par Portnoy, derrière à Schneider, voilà son tir, et bloqué par la glissade du défenseur Allen Peterson. Un beau jeu de Peterson avec 4 secondes seulement à la pénalité à John Carter. Très beau jeu également de la part de Schneider. Aussitôt qu'il a reçu le disque, Richard n'a pas arrêté la rondelle, le tir pour la façade du filet. Et Richard a connu une bonne série en défensive. Un des meilleurs pour bloquer le disque Richard, c'est Boston. On va revoir la séquence, sa chute bien exécutée. Alors que 4 secondes, je le répète, à la pénalité aux Bruins. Deux nouveaux venus ce soir, les deux avec avantage numérique. Ça ne peut pas être pire. Peterson, Lebeau. Peterson a touché 53 buts dans la Ligue américaine, 14 avec avantage numérique. Et je vous disais en première période, au début de la période, je devrais dire, que Lebeau en avait réussi 5 sur 15 cette année avec le Canadien sur cet avantage numérique. Là, c'est curieux, un tir que Carson a tenté de faire dévier, mais il était bien surveillé par Raymond Bourque. Pénalité, évidemment, à Carter terminé. Un tir hors cible de la part de Carpenter. Rondelle reprise par Portnoy. La passe à Lebeau, à Carson plutôt, qui remet à Lebeau. Autre passe qui était derrière Portnoy, Portnoy qui était retenu par Carpenter. C'est maintenant Bourque qui va tenter d'organiser l'attaque pour les Bulls. Remet à Carpenter vers Bob Sweeney, mais arrêté par Ludwig. Là c'est Chelios, Chelios qui cafouille, réussit finalement à remettre à Lebeau à Carson. Ensuite la passe devant le tir du revers. Et là c'est Chelios qui est allé se buter au gardien Andy Mauve, qui est resté étendu sur la patinoire. Évidemment, on veut c'est quand même assez difficile enlever la concentration à oui, Mauve. Oui. Mais parce que Chelios, si vous bien vu, n'était pas poussé par derrière. On va lui donner une pénalité, Richard. Et c'est un troisième geste d'indiscipline de suite pénalisé. Oui. Pénalisé, il y en a eu d'autres qui parce ne l'ont pas été. Il n'est pas poussé par un adversaire. Milbury est furieux. Alors c'est un geste, Gilles, qui n'est pas acceptable de la part de Chelios.
Alors, c'est pour Asso qu'il est chassé à 17 minutes 33 secondes. Regardez Burns derrière le banc. Richard, on le voit surveiller ici. De façon qu'il se dirige directement pour le gardien. Une passe qui était tentée en diagonale pour la façade du filet. De cet angle, on voit un peu mieux son arrivée. Dégagement de Schneider. Donc pour les Canadiens, il y a Schneider, Ludwig, Carbonneau et Keane. Pour les Bruins, Cam Neely, Propp, Janney, Bourque et Glenn Wesley. Là, c'est Carbonneau qui réussit un autre dégagement jusqu'au gardien Andy Maud. À la pénalité à Chris Chelios, encore 1 minute 32. À la période, 1 minute 57 maintenant. Autre supériorité numérique pour les Bruins. Là, c'est une rondelle sautillante. Roy qui allait sortir de son filet. Ça a été tiré dans l'angle fermé. Voilà la descente de Carbonneau avec Raymond Bourque. Il remet à Keane. Carbonneau qui a fait une chute. Là, c'est Bourque d'une seule main. La passe à Janney. Une autre derrière Neely. Neely plaqué par Schneider. Et c'est Roy qui remet par la bande à Carbonneau. Passe en retrait. Pour Schneider, Schneider qui pousse jusqu'à Walter, arrêté par Hargood. Et c'est Schneider maintenant qui réussit un dégagement jusqu'à l'autre bout. 47 secondes à la pénalité à Chris Chelios. 1 minute 12 à la période. Skoudlin en compagnie de Walter maintenant. Et Daniel et Ludwig sont les défenseurs. Dégagement annulé par Bourque, on se bouscule devant le filet, c'est Burbage et Ludwig, là, Bourque qui reçoit le disque de Propp, le remet à Christian qui rate la passe, là c'est Strudlin, un dégagement arrêté par Bourque et sa passe a été interceptée par un beau jeu de Ryan Walter. Walter rejoint par Burbage, gagne du temps, remet derrière à Ludwig, la passe maintenant à Walter pour Strudlin, Strudlin plaqué par Hargood, oui. Enfin, il a vu venir Hargood et c'est Hargood qui a subi le pire. Et là, Skoudlin qui a tenté de jouer la comédie devant l'arbitre. L'adversaire a dû se défendre pour avoir sa place. Là, Skoudlin s'en est pris sur Burridge. Et là, Chelios qui est revenu sur la patinoire. Et là, Gilles. L'arbitre a perdu le contrôle. Ouais, là, il y a beaucoup de gestes qui pourraient mériter des pénalités depuis un instant. Un bon jeu de Svoboda qui est venu arpenter le disque. Qui est venu arrêter cette descente de Poulin. 5 secondes à faire dans cette première période. 3 maintenant, et Svoboda qui va gagner ses dernières secondes, voilà qui est fait. Et ben, les Canadiens s'en tirent bien, surtout avec cette double infériorité numérique qui a duré 1 minute 35. Les Canadiens ont bien joué en première période, sauf qu'il y a eu plusieurs gestes d'indiscipline. Et Carbonneau, Gilles, a été certainement la grande vedette. Les yeux de Patrick Roy ici, la rondelle qui dirige dans sa direction, et qui solidement aidé de Ludwig. Patrick a mis en échec, c'est sur Burridge. Oui, sauf que c'est moi qui ai été plaqué par Ludwig. Alors, on demande des explications, Millsbury, en allant dire à Dan Marouelli. Celui-ci a perdu quelques mises en échec. On va revoir ici du travail de Scotland sur Hargood au d'abord. Un coup de haut. Il attendait de pied ferme Hargood. Voici, il est gardé à l'estomac par la suite. Mais aussitôt qu'il s'est relevé, il a frappé Burridge. Et voilà. Alors, il n'y a aucune pénalité. De l'autre côté, Chelios. Une fin de période mouvementée, M. Tremblay. Allez, à la sommaire, un seul but. Carbonneau, son premier, de Keane et Walter à 11 minutes 16. Les tirs au but, 11 de chaque côté. Et la marque après une période de jeu est Canadien 1, Boston 0. Et Napoléon. Eh bien, nous allons revoir l'unique but de cette première période marqué par Guy Carbonneau, son premier des séries, assisté de Ryan Walter et Mike Keane. Du beau travail de Mike Keane, Carbonneau s'empare de la rondelle et déjoue Andy Moog entre les deux jambières à 11-16 de la première période, 1-0 Canadien. Les faits saillants vous ont été présentés par le groupe Rona Dismat qui vous invite à visiter le monde de Roland et Napoléon.
Et dans l'autre rencontre ce soir, Ligue nationale, à Washington, les Rangers ont pris les devants 1-0. La deuxième période commence à l'instant à Washington. C'est Troy Mallett qui a marqué avec des aides de Bernie Nichols et Mike Gardner à 10:41 de la première période. Donc 1-0 Rangers à Washington. Début de la deuxième période, j'imagine, Gilles, que pendant cette pause, l'entraîneur Pat Burns a dû très certainement demander à ses joueurs de faire preuve d'un peu plus de discipline. Sans doute, en demeurant combatif comme on le faisait en début de période. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'il y a un peu moins de flexibilité pour l'instructeur, qui ne veut pas bien partager son temps de glace. Pendant qu'on épuise un Carbonneau qui connaît un bon match, mais quand même, que tu travailles en désavantage numérique plus souvent à son tour. Si on regardait les mises en jeu en première période, 8 gagnés par les Blues et 13 par les Canadiens. Donc pour les Canadiens en début de période, Peterson, Smith et Lemieux, les défenseurs Daigneault et Svoboda contre Burridge, Poulin, Christian et les arrières chez les Bruins, Wesley et Book. Là, c'est Daigneault qui a remis à Svoboda, derrière à Daigneault, Poulin qui fait une chute. Et Daigneault qui continue derrière à Peterson. Une rondelle qui a dévié sur Wesley. Wesley qui est rejoint par Bobby Smith. Là, c'est Peterson qui reprend. Je ne sais pas à qui il voulait faire la passe. Smith était contré. Une passe devant là, pour Lemieux. La rondelle va jusqu'à Daigneault. Le tir bloqué par Monge. Mais elle est devant le filet. Et c'est Monge qui finalement... Non, la rondelle est toujours en jeu. Et c'est Poulin qui sort avec le disque. Les Canadiens qui, en début de période, viennent frapper à la porte. On a essayé de déconcentrer Moog à trois reprises. Hein. Il était bien échec trois fois au cours de cette première période. Bobby Smith. Derrière à Peterson. Voilà un tir qui est hors cible de retour. Pris par Don Sweeney. La rondelle était dans les airs. Carter maintenant à Christian, à Carter. Le tour à Don Sweeney. Voilà un tir bloqué par Roy. Un tir qui venait de Gary Galley. Ludwig, la passe à Lemieux. Lemieux, son tir a touché Garley et on repousse les Canadiens derrière les Blues, derrière leur filet pour compléter des changements. C'est le trio de Corson, Courtnall et Lebeau maintenant contre Carpenter, Sweeney et Carter. Courtnall, sa passe a touché Carpenter, la rondelle lui revient à Corson. Corson passe devant mais intercepté par Don Sweeney. Un dégagement arrêté par Chelios. Voilà son tir, complètement hors cible. Et la rondelle qui est récupérée par Bob Sweeney. Et Sweeney qui attendait l'arrivée de Carpenter. Carpenter a fait les choses trop vite. Il a précédé Sweeney dans le territoire des Canadiens. Donc on reprendra en zone neutre. Mathieu Schneider qui s'est assuré un poste avec les Canadiens, Gilles, en fin de saison. Excellent joueur, tu l'as souligné à plusieurs reprises, utile pendant les supériorités numériques. Il a un très bon tir, un tir très précis. On oublie qu'il a seulement 20 ans, Richard. Desjardins aussi. D'ici quelques années. Alors, la responsabilité qu'on a donnée à ces jeunes joueurs cette année va certainement devancer leur développement d'au moins une saison. Wesley est passé par là avec le Boston, qui vient avec la perte de Cusack depuis quelques années, Telvin également. Alors, ce jeune Wesley est maintenant presque à son mieux, il a 21 ans. Un vétéran de 21 ans. À la mise en jeu, c'est Lebeau devant Carpenter. Les Canadiens qui mènent 1-0. Desjardins a remis à Schneider. À Desjardins. La passe captée avec le patin par Courtnall. Là, c'est repris par Corson. Corson, un tir arrêté par Wesley. Sa passe interceptée par Courtnall. Lebeau maintenant qu'elle dit. Oh, la passe était pour Courtnall. Courtnall encore une fois reçoit. Là, c'est Moog qui a déblayé derrière son filet. Et c'est Book qui a remis à Bob Sweeney. Mise en échec par Courtnall pendant cette descente de John Carter. Carter qui tente de contourner Schneider, mais sans succès. Là, c'est Schneider. La passe à Courtnall. Voilà, un 4 contre 1 pour les Canadiens. La passe à Schneider. Gilles, quelle chance ratée par le tricolore. Ils étaient 4 contre 1. Ça n'a même pas donné un lancer au filet. Ça s'est terminé par un cafouillage total. Avec une hésitation qui a permis aux joueurs des Blues de revenir.
Carbonneau maintenant sur la patinoire avec Walter et Keane. Contre Carter, Janney et Cam Neely. Cam Neely qui a été un peu plus silencieux ce soir. Il est vrai qu'on l'a surveillé de très très près. À certains moments, on s'est même mis à 2-1. Alors Shane Corson qui a 8 points, oui, 8 points depuis le début des séries, dont 2 buts. On voit l'accrochage ici devant le banc du Canadien avec Carpenter, les bâtons élevés. Lance, skitté, aucune pénalité. Début de ce 3 contre 1, Richard, Desjardins patine avec Courtnall dans le but de faire reculer le défenseur. Le jeu idéal, la passe à Schneider derrière qui est en retrait. Il a 2 options par la suite. Il glisse la rondelle à un des 2 joueurs placés près des filets ou il lance au filet. Moment d'hésitation de Courtnall, le jeu est raté. Là, c'est Carbonneau qui a gagné la mise en jeu, mais le tir de Chelios qui touche le bâton de Propp. Là, c'est Walter. Propp, la passe à Neely. Le tir de Neely. Et la rondelle qui va très haut dans les gradins. Donc, c'est l'arrêt du jeu. Pat Burns, oui, on en parlait tout à l'heure. Là, c'est pas facile là, pour un instructeur avec un déficit de 3 matchs, Richard. Il va demeurer positif, même si ces joueurs font des erreurs. Il y a des tous bon monde. Bon, surveillez les 3 contre 1. Habituellement, hein, 2 profondément pour garder le défenseur. La passe arrière, mais il choisit le jeu difficile beaucoup trop loin. Corson était bien placé directement dans l'enveloppe. Mais t'as vu que c'est un 4 contre 1, Gilles. Ça devient un 4, oui. Une rondelle qui est ratée par Beers. Et là, c'est Moe qui, par la bande... veut remettre à Neely, c'était au-dessus de son bâton. Chelios maintenant, à Ludwig. Ludwig vers Keane. Keane qui pousse pour lui-même derrière le filet des Blues, mais il a été contré par le défenseur Alan Peterson. Mise en échec solide maintenant de Walter. Voilà un tir qui a touché le défenseur Beers. Chelios qui a changé de main, Richard. De droite à gauche, il a pris un bon tir. Bon tir frappé quand même. Là, c'est Keane. Oui, c'est rare, les joueurs de hockey en bidet. Voilà un tir bloqué par Moog, un tir faible. Walter reprend. Walter qui veut remettre à Carbonneau. Une passe de Carbonneau qui était destinée ou à Courtnall ou à Chelios, mais c'était entre les deux. Et les Canadiens qui se retrouvent dans leur territoire. Enfin, mauvais jeu. Un tir du revers de Lyndon Byers, qu'on n'a pas vu souvent au cours de ce match. Svoboda qui fait une chute. Et également Hawgood et finalement l'arbitre Marouelli qui décide d'arrêter le jeu avec 15 minutes 34 à faire en deuxième période. C'est Canadien 1, Boston 0. Est-ce qu'on l'a vu en première période, Richard? Une fois. Je pense que c'est sa deuxième présence. Gilles, demain soir, Radio-Canada présentera le match qui opposera les Blues de Saint-Louis aux Blackhawks de Chicago. Le cinquième match de cette finale de division, ce sera à 20h30, heure avancée de l'Est. Et Lionel Duval sera là en compagnie de Jean Perron, Robert Sauvé et Camille Dubé. Un tir du revers, la roue qui remet à Svoboda. La passe à Courtnall. Courtnall devant Don Sweeney, qui harponne le disque, lui fait perdre, repris par Scoden, mais il a perdu à Bobby Gould. Gould pousse jusqu'à Roy, qui remet sur sa droite, c'est repris par Gould. Là, c'est Delio aux prises avec Hawgood. Hawgood tente une passe devant. La rondelle a touché un bâton. Premier Hawgood, il a touché le poteau. Et Roy était battu là-dessus. Et les Canadiens à la contre-attaque, une passe pour Gilchrist. La passe était beaucoup trop longue. Qui sera le premier à toucher au 10? C'est Gilchrist, donc il n'y a pas de dégagement refusé. Gould. Gould qui rate sa passe et le hors-jeu est commis. Lyndon Byers l'avait précédé dans le territoire des Canadiens. Et là, c'est Gilchrist et Byers là, qui se sont échangés, qui se sont légèrement bousculés, mais l'intervention rapide, encore une fois, des juges de ligne Knox et Mitten empêche les choses de s'envenimer. La soirée du hockey Molson vous présente les séries de la Coupe Stanley à Radio-Canada. Le jeu reprend, c'est Bobby Smith devant Bob Carpenter. Smith avec Lemieux et Mark Peterson contre Carter, Carpenter et Bob Sweeney. Mark Peterson
son tir a été reçu par Wesley qui a remis à Bourque. De Bourque à Wesley. Sa passe a effleuré un bâton. Dégagement de Mathieu Schneider jusqu'à Bourque. Oh, plaqué solidement par Claude Lemieux qui l'a fait rouler. Et c'est Wesley qui reprend en zone neutre. Plaqué lui aussi par Lemieux. Voilà la descente de Peterson. Son tir. Oh, la rondelle qui était beaucoup trop haute. Un tir beaucoup trop haut. Wesley. Par la bande, un dégagement jusqu'à l'autre bout qui sera refusé aux Bruins. Mise en échec solide de Lemieux et de Peterson également sur Bourque par la suite. On est informé de cette mise en échec de Lemieux qui l'a surpris quelque peu. Mais Bourque est capable d'en prendre. Capable d'en donner aussi. Oui, oui. Surveillez ici la mise en échec. Après cette passe, il patine reculant, alors beaucoup moins force que Lemieux qui entre de côté par la suite. Le déséquilibre totalement est fort. Le jeu s'est poursuivi, c'est plus autour de Peterson de le frapper par la suite dans le coin de patinoire. Le trio maintenant de Courtnall, Lebeau et Corson avec Chelios et Ludwig comme arrière. À la gauche d'Andy Moog. Lebeau devant Dave Poulin. Poulin avec Burridge et Millet. Donc Mike Milbury qui commence à jongler avec ses trios. Les enjeux gagnés par les Bruins, c'est Gary Galley. La passe à Peterson. Peterson, une passe interceptée au centre par Corson. Corson qui remet à Courtnall pour Lebeau. Lebeau, un tir dans le coin gauche. C'est Lille qui est là le premier. La passe interceptée par Lebeau, un tir bloqué par Moog. Oh! Et là, c'est Corson qui a voulu ajouter un geste supplémentaire après que Moog ait immobilisé le disque. Et c'est Peterson qui s'est amené en trombe pour s'en prendre à Corson. Et là, c'est Courtnall qui était en touche sur la patinoire. On ne sait pas qui l'a projeté là. C'était terminé, alors Corson était récupéré, oui. On va le voir. Il n'y a pas deux poignées. Courtnall et Burridge. Mais le seul poids lourd, c'est Corson. Du côté des Bruins, c'est Peterson qui est chasseur, également Shane Corson qui est puni. C'est comme un lancer de Stéphane Lebeau, hein, qui était fermé, un lancer du revers, qui est bien vu. Oh, bon, a pu conserver le disque, mais comme Corson était tout près, il vient taper légèrement le gardien. Il était debout dans son rectangle. Alors l'arbitre Marouelli qui a égalisé tout ça, donc pénalité mineure à Shane Corson, également à Alan Peterson. On va revoir le jeu, Richard, du lancer de Stéphane Lebeau. On le voit ici, peu de chance, doit travailler du revers, vous voyez, le jeu est bien terminé. Corson est à l'intérieur, a tenté de frapper. Il fait perdre le disque à Moog, mais il est approché rapidement. Et là, l'enjeu est dans son meilleur. Ouais. Double mineur. 6 minutes 22. Alors, Patrick décide d'envoyer Spoden avec Lemieux et Lebeau. De même que Chelios et Ludwig. Et chez les Bruins, c'est Burridge, Lillet, Poulin, Wesley et Gallet. Et la mise en jeu se fait à la droite de Andy Moog. Les Canadiens mènent 1-0 avec 13 minutes 38 à faire en deuxième période. Les tirs au but 13 par Boston et 14 par le tricolore. La mise en jeu, Spoden devant Poulin. Spoden qui a essayé de s'échapper avec le disque. Finalement, c'est Lebeau. La passe devant Spoden, le tir. Bloqué par Moog, Lebeau qui reprend. Lebeau, la passe devant, alors que la rondelle qui a dévié, il y aura une pénalité au bout. L'obstruction sur Scotland devant le filet. Scotland qui est venu bien bien sur des biens avec le patin, Richard. Après, c'est dû sortir du jeu à la droite de Moog, presque à la ligne des buts. Il est revenu à l'intérieur. Et c'est Wesley qui est chassé. Glenn Wesley. Pénalisé à 6 minutes 36 secondes, on donne pour avoir retenu. Surveillez les sorties du jeu, Scotland. Il va revenir par la suite à l'intérieur, près du poteau. Alors, la rondelle touche à son patin, dévie par la suite, mais obstruction. Ou encore, pour avoir accroché, on donne l'infraction à Glenn Wesley. Alors, avantage numérique canadien avec Scotland, Lebeau, Courtnall, Boboda et Chelios. Lebeau maintenant approche, la passe devant. Il a touché le bâton de Gallet.
Verlet qui le met en échec. Lebeau qui réussit quand même à sortir avec le 10. Le remet à Skoglund. Skoglund à Lebeau. Et là, c'est Bourque qui a harponné le 10 jusqu'à Christian qui réussit le dégagement. 1 minute 32 à la pénalité à Glenn Wesley. À la période, 12 minutes 52. Les Canadiens mènent 1 à 0. Chelios jusqu'à Courtnall, tout de suite arrêté par Kropp. Kropp qui voulait remettre à Bourque. C'est Chelios qui réussit à pousser derrière le filet des Bruins. Là, Kropp perd à Courtnall. Svoboda maintenant la passe à Chelios. Chelios qui a jonglé avec le disque, le remet à Svoboda. De l'autre côté, c'est à Courtnall. À Svoboda. À Chelios, le tir, la rondelle a touché un patin pour dévier jusqu'à Courtnall, derrière à Svoboda, voilà son tir, on va tenter de faire de l'île, mais à côté. Et c'est Beers maintenant, dans sa passe interceptée, Lebeau qui reçoit le disque derrière le filet, tente de contourner et de marquer en contournant le filet, mais ça n'a pas réussi. Maugle qui veillait. On a touché à la rondelle avec un bâton au-dessus de l'épaule, donc on reprendra à la gauche de Andy Bourque avec encore 43 secondes à la pénalité à Glenn Wesley des Bourques. C'est certain que la présence de Stéphane Lebeau n'est certainement pas nuit à l'avantage numérique. Il a donné plus souvent qu'autrement autour du filet. Il est sur chaque jeu. Il s'est très bien impliqué également. Il a fort bien joué jusqu'à maintenant. Il a bien travaillé. Il a contourné le filet, essayé mieux de donner un angle de tir. Bien joué derrière la ligne des buts également. Je vais l'aider à quelques reprises du côté gauche. Alors pour un joueur qui est éloigné de compétition, Richard, depuis bien longtemps, depuis 25 jours exactement. Smith à Desjardins, voilà son tir bloqué par Moog. Retour Peterson qui est plaqué par Don Sweeney. C'est Smith qui a la rondelle derrière le filet. Passe à Schneider, mais Schneider qui a jonglé avec le disque, le reprend. Encore 25 secondes à la pénalité à Boston. Peterson par la bande, une rondelle qui fait un bond capricieux et qui vient se loger tout juste derrière Andy Moog. La sortie de Don Sweeney qui a remis à Carter. Voilà son tir hors cible. Retour de l'autre côté à Don Sweeney. Là, c'est bloqué par Roy. Le retour à Carpenter qui remet à Carter. À Carpenter encore une fois. Tir bloqué par Roy d'un angle fermé. Et c'est Smith qui sort de sa zone en compagnie de Peterson et de Lemieux. Bobby Smith tente sans succès de déjouer Sweeney. Là, c'est Carter qui a évité la mise en échec de Lemieux et la pénalité pendant ce temps à Wesley. C'est terminé, c'est lui qui a le disque. Entraîné derrière le filet, tente de remettre devant, mais ça a été intercepté par Desjardins. Changement chez les Bruins. Les défenseurs maintenant sont Beers et Bourque. Le trio est celui de Neely, Burridge et Janik. Un tir dans la foule de Desjardins, donc ça permettra à Pat Burns de compléter ses changements. Très vite après la dernière poussée de Bobby Smith, le manque de vitesse de Smith, ce fait la différence entre Bobby Smith il y a quelques années et celui de cette année. Alors de belles fins, il déjoue l'adversaire, mais on a toujours le temps de revenir et travailler en défensive contre lui. Alors, l'entrée de zone est moins rapide qu'auparavant. Lui qui est individualiste à l'entrée de zone, aime donner le disque beaucoup plus profondément dans le territoire. Alors permet à la défensive de se réorganiser et on le rattrape. Il y a Smith, Gilles, on en a parlé souvent, il y a Walter qui a perdu quelques fractions de secondes dans certains cas et quelques secondes dans d'autres. Si il y a Walter, je sais, Richard, il a des genoux à fond pas. C'est un bonhomme qui a eu finalement une carrière très physique. C'est lui qui a le disque, Walter, la passe à Chelios. Chelios arrêté par Wesley, pendant ce temps c'est Garley qui est plaqué par Keane et un dégagement dans la foule. 10 minutes 25 à faire en deuxième, c'est Canadien 1, Boston 0. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans quelques instants à Radio-Canada. Il domine Richard sur l'avantage territorial. Il ne prend pas Boston pour perdu, il joue son jeu avec trois parties en main. On joue au jeu de patience, présentement. On attend une ouverture. Oh, les Canadiens, là, qui a deux reprises